bien, salut à tous les amis, c'est Kourouxou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft et je vais vous présenter le magasin de pêche, puisque c'est celui qui m'a été le plus demandé dans la dernière vidéo. Hier, je vous avais présenté le KFC et je vais vous remercier puisque c'est une vidéo qui vous a énormément plu. Il y a eu pas mal de commentaires assez sympathiques à lire. Et puis voilà, donc vous avez été nombreux à me demander le magasin de pêche dans la prochaine vidéo. Donc c'est chose faite, je vous le présente aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre en commentaire quel est le magasin que vous voulez voir la prochaine fois. Il reste le café Starbucks, le magasin de jouets Toys R Us, le magasin de luxe Philippe Plein, la bijouterie Pandora, le magasin de luxe Hermès, le magasin de beauté L'Oréal et le magasin de vêtements Desigual. Voilà, il reste tout cela, tout le reste je vous l'ai présenté. Donc mettez-moi en commentaire quel est le magasin que vous voulez voir la prochaine fois et je le ferai avec grand plaisir. Donc on va tout de suite commencer la présentation du magasin de pêche. Et pour info, en fait c'est le seul magasin de la zone commerciale qui n'est pas un vrai magasin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait le nom je l'ai inventé. Fishing Paradise, ça doit pas être un nom qui existe pour un magasin de pêche. Et pourquoi j'ai inventé un nom? Tout simplement puisque je connais pas de nom en fait de magasin de pêche. Je sais pas s'il y a un magasin de pêche en franchise. Une franchise, c'est un magasin qui est présent partout en France, comme Toys R Us, Micromania, il y en a partout. Mais est-ce qu'il existe un magasin de pêche assez connu qui est présent partout en France? Je sais pas. Voilà. Du coup, j'ai préféré inventer un nom, puisque je m'y connais pas du tout en magasin de pêche. Je pêchais un petit peu avant, mais c'était vraiment vite fait, quoi. Et puis voilà. Donc, à l'intérieur, on va retrouver pas mal de choses. Juste ici, on a les appâts. Donc les appâts, c'est ce qu'on met au bout de la gaule, en fait, au bout de la canne à pêche pour pêcher. Donc on a du pain, des patates, des œufs, des poissons. Et là, je crois que c'est une pâte de lapin, voilà. Donc c'est, j'ai mis ça là, c'était juste pour faire genre, ils vendent des appâts. Juste ici, on a des coffres pour la pêche, voilà, j'ai mis ça là pour faire style, voilà. Je m'y connais pas beaucoup en pêche, donc c'est pour ça, j'ai quand même essayé de faire quelque chose, pardon. Mais je suis pas sûr que ça soit super non plus. Mais fallait bien que je trouve quelque chose à mettre là, puisque ça faisait quand même assez vide dans le magasin. Du coup j'ai quand même trouvé des choses à mettre, voilà. Donc ici ils vendent des coffres pour la pêche, pour ranger les cannes et tout ça. Voilà. Ici justement on a le rayon canne à pêche. Ça tombe bien, il y en a dans Minecraft. Du coup j'ai pu les mettre sur les cadres, voilà. Il y a deux modèles différents. D'accord. Juste ici, en fait, il y a un espèce de truc en bois. Je voulais mettre ça là, mais j'ai rien mis dessus. On peut faire genre, il y a des trucs de poser dessus. On peut imaginer qu'il y a des trucs à vendre ici, mais moi, j'ai rien mis puisque j'avais rien à mettre. Ici, on a des fils de crin. Et en fait, pour symboliser les fils de crin, j'ai pris des laisses. Voilà, des laisses pour les animaux. Du coup, voilà, ça fait comme s'il y avait en fait des bobines, des moulinets pour les cannes à pêche. Du coup, il y en a plein, voilà. Bon, ça fait quand même plutôt bien fait, mais c'est pas super non plus. Ensuite, ici, on a les matraques. Donc, les matraques, c'est ce qu'on utilise pour assommer les poissons une fois qu'on les a pêchés. Et pour faire les matraques, je sais même plus ce que j'ai pris comme objet. C'est un truc bleu. Ça doit être ici, je crois. Non? Non, ou ici. Ça doit être là, c'est ça. Les cisailles, voilà. C'est un objet que je sais même pas me servir dans Minecraft. Mais je les ai quand même mis ici pour faire comme si c'était des matraques. Et du coup, je trouve que ça fait quand même assez bien fait. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et juste ici, ils vendent des bancs, en fait, pour la pêche. Du coup, j'ai mis plusieurs tailles, plusieurs modèles, voilà. Comme des petites chaises, en fait, pour les pêcheurs au bord de l'eau, voilà. Donc, pour s'asseoir en attendant qu'ils prennent un poisson. Et puis, voilà. En tout cas, ils vendent quand même pas mal de choses ici. Des cannes à pêche, des appâts, des coffres, des chaises, du fil de crin et des matraques. Voilà, donc c'est quand même plutôt assez complet. Je trouve que le magasin est quand même assez réaliste, même si je sais que j'aurais pu faire mieux. Le problème, c'est que je m'y connais pas beaucoup en pêche, je dois vous avouer. Du coup, je pouvais pas faire un truc de fou non plus. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est bien, si c'est pas bien, si faut rajouter quelque chose. Si j'aurais pu faire mieux, voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, puisque moi... Je trouve que c'est bien fait, mais vu que je m'y connais pas assez en pêche, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Et puis voilà, donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du magasin. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre eh bien quel magasin vous voulez voir demain, pourquoi pas. Et puis moi, en tout cas, j'ai fini. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ça ferait vraiment super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game, bonne pêche et ciao tout le monde. Peace.